Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1 641 552 5130 en France et en Europe. 33 7 56 75 36 89 au Brésil et en Amérique latine. 55 14 30 42 18 03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Les amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. C'est avec un pile plaisir que nous retrouvons une autre fois encore pour présentation Alter Sport. C'est le journal de son nom qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre d'actualité sportive, la Super National Football Eliminatoire Gold Cup Féminin États-Unis 2024. Grenadier Ketna Louis, Amandine Pierre-Louis, Melchida El Dumoné, Batcheba Louis et Neri Lamondésir figurent dans 11 types fenêtres en Maroc Blanc. Avec 9 France 9, dans le groupe CA, Haïti a joué dernier match face à Costa Rica le 30 novembre à San José. Sport et Société clôture des Jeux Panaméricains dimanche à Santiago au Chili. Haïti avec 3 médailles, dont un argent de bronze, fini 25e. Classement dominé par les États-Unis, le Brésil, le Mexique et le Canada. À l'étranger, tennis, Rolex Paris Masters, victoire finale du numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. Athlétisme, marathon de New York, le trophée pour l'Éthiopien Tamera Tola et la Kenyane Hélène Obiri. Formule 1, Grand Prix du Brésil, le 17e de la saison pour le Néerlandais Max Verstappen. Football championnat d'Espagne, 12e journée, Real Madrid tenu en échec par Rayo Vallecano 0-0. Girona seul leader après victoire Ligue 4-2 sur Osasuna. FC Barcelone bat sur le fil Real Sociedad 1-0. Copa Libertadores de América, le titre pour Fluminense qui bat Boca Juniors 2-1 en finale samedi. Et puis Ligue des Champions 4e journée ce mardi. Shakhtar Donetsk FC Barcelone à 12h45. Menacé Paris Saint-Germain à 3h. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive, là d'abord sur le plan national, gagné une deuxième fenêtre des éliminatoires de la Gold Cup féminine États-Unis 2024 qui prend fin mardi dernier. Gagné pile joueuse qui réalisait des performances exceptionnelles. La CONCACAF l'a publié week-end sur le passé à le 11 type de la Ligue A et dans l'ISA nous gagnons 5 grenadières. Dans le goal, nous retrouvons Simone Eligon de Trinidad Tobago. En défense, Michel Leroy du Guatemala, Ketna Louis Haïti, Amandine Pierre-Louis Haïti au milieu du terrain.
Christina Torres Porto Rico, Merchidel Dumoné Haïti, Richia Walker Jamaïque, Melissa Johnson Jamaïque, en attaque Batsheba Louis Haïti, Nerilia Monezir Haïti, Linette Cadenio Panama, au classement débuteuse Haïti a mené d'instant. Elle dispose de l'île de trois joueuses dans le top 4 là, Melchidel Dumoné 8 goals, Rivière en tête, et Nerilia Monezir avec Batsheba Louis au chaque marqué 5 goals. À l'issue de première phase, il y a 3 vainqueurs Ligue A, qui va le qualifier directement pour la Gold Cup féminine, qui va le dérouler aux États-Unis, sorti 20 février pour 10 mars 2024. Les trois équipes deuxièmes de la Ligue A, ils vont le qualifier pour les barrages contre les trois vainqueurs de la Ligue B, pour déterminer trois dernières places, puisque les États-Unis, Canada, ils ont déjà qualifié. Il y a 4 autres équipes qui sont invitées dans la zone CONMEBOL là, c'est le Brésil, l'Argentine, la Colombie et le Paraguay. Entre temps, Nerilia Monezir est blessé dans la cheville, dans les arrêts de jeu vendredi soir, lors de 6e journée D1 Arkema en France, qui c'est la première division, dans le foie glacial Montpellier, tenu en échec 0-0 par Lille. Dans la même veine, le Havre de Roselot Borjola, il fait match 3-3 avec Dijon samedi. Le FC Fleury, grâce à un goal de l'attaquante internationale haïtienne Batsheba Louis, bat Saint-Etienne 2-1, Lyon, il gagne le choc des leaders, les surclassés par FC, 6 goals à 1 en déplacement, cependant Melchi Daël Dumoné pas marqué. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, sport et société, avec un total de 3 médailles, dont une argent en taekwondo avec Avali et 2 de bronze avec Alia Shipman en taekwondo et Cédric Duliep en boxe. Haïti fini 25e position au classement des médailles aux Jeux panaméricains qui était déroulé à Santiago, au Chili, sorti 20 octobre, privé 5 novembre 2023. Classement des 10 premiers dans médaillot. Numéro 1, c'est États-Unis, 124 or, 75 argent, 87 bronze, total 286. Numéro 2, Brésil, 66 or, 73 argent, 66 bronze, total 205. Numéro 3, c'est Mexique, 52 or, 38 argent, 52 bronze, total 142. Numéro 4, Canada, 46 or, 55 argent, 63 bronze, total et 164. Numéro 5, c'est Cuba, 30 or, 22 argent, 17 bronze, total 69. Numéro 6, c'est la Colombie, 29 or, 38 d'argent, 34 bronze, total 101. Numéro 7, c'est l'Argentine, 17 or, 25 argent, 33 bronze, total 75. Numéro 8, c'est Chili, 12 or, 31 argent, 36 bronze, total 79. Numéro 9, c'est Pérou, 10 or, 6 argent, 16 bronze, total 32. Numéro 10, c'est Venezuela, 8 or, 15 argent, 21 bronze, total 44. Haïti 25e, qui part une médaille d'or, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze, total 3 médailles. Haïti est présent avec 18 athlètes dans 9 disciplines. On a rappelé que le prochain jeu panaméricain va se dérouler à Barranquilla en Colombie, sorti 22 octobre, privé 7 novembre 2027. Barranquilla devient donc la deuxième ville Colombie qui va accueillir les jeux panaméricains après Cali en 1971. Prochain jeu pour clôturer le cycle olympique. C'est les jeux olympiques qui va le faire à Paris en 2024, qui va le dérouler sorti 26 juillet, privé 11 août. Je te pose, là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Mes amis, docteur Georges, à pas me tendre ces choléra qui touillent Pierrot, de quoi me t'étendre maladie ça a été passé? Passé, madame Jean? Non, ma chère. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traitée pour boire et puis manger, laver mais on à l'eau avec savon, si tout, les saute dans la toilette avant ou manger, choléra a pas besoin de route pour entrer sous. La barrer, bien barrer. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay sa yo déjà. Kon el se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fwa compte pour choléra rentrer sous. Kon el se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songe, choléra reparet, c'est nous tout qui pou barrer. C'était yon message MSPP ak patnel yo.
Haïtiens, Haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li toune, oui! Ki bo? Ki bo ou mandem? Mem bo wa? Tout pré ou la? Bo la ria? Mandel ma trente de? Delimat! Oui! Nous relouvri! Delimat! Delimat del ma trente de relouvri! En pépin, pi go, pi bel! Ak plus rayon, plus produit, plus service! Delimat apre lesse ou? Pour confiance au place dans lui. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de carton pour vinn wè nouveau Delimat yo. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content wè moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis on t'est séparé nous Brit Soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui changé dans nous, dans vie nous, mais gen un seul engagement qui rete intact. C'est respect nous gagnons une pour l'autre ak l'amour nous pour pays nous seul petit pays nous. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non, c'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil Digicel là, composé étoile 617 ou soit aller sur application My Digicel là, activer plan soleil pour 5 gouttes seulement et puis jouer chance gagner 100,000 gouttes Digicel à bail là. Si vous jouez chance pas, comme restez bien relax parce que c'est 100 clients qui pas jouer possibilité gagner une belle promotion ça qui pral dire 100 jours et chaque jour a qui un client qui pral sorti à 100,000 gouttes cap ton doméa directement sous compte mon cash li qui donc 100,000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours petit plan bien facile pour activer et bien chanson en plein mon grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023 d'après calendrier ministère éducation nationale. Jean ça toujours fait, gen plusieurs mes ministère a déjà prend ak sipo gouvernement pour accompagner maman ak papa petit dans occasion rentrée l'école là tan kou bay livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, kit scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier. Toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte pour accueillir élèves yo lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école yo doit prendre bon gens disposition dans tête collée ak enseignant yo pour respecter date 11 septembre 2023. En respecter calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire, ça qui a permettre élèves et enseignants yo travaillent pi bien sous tout programme classe. Maman ak papa petit, parents qui responsable timoun yo, on prepare depuis kounye ya pour nous voyer timoun yo l'école depuis premier jour l'école là a l'ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour timoun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. L'école pa katann. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherche un mot l'école de communication. Améliorer le langage ou c'est une obligation. Porte nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle session, viens choisir. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, en oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design. Dans Sénacom, nous avons un spécial auto-école, non seulement yon mou ka vin chou fè. Et puis, il va t'y chou fè tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEM, local du centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir.
Yo bo. T'es quoi dit dame ça que j'aime vivre ici dans ça. Bon, comment le fait en forme comme ça mine? Tout cas bro. Elle est moins en forme vrai. Bah privé non papa. Pour qu'on soit pas capon. Cher. Bon. Qu'est-ce ça on dit là? Ou pas informé? Au monde qui gagne vivre ici là. C'est tant qu'on n'importe maladie qu'on est qui, tant qu'au maladie que sick tension. Et puis tout, les pays où l'on prend des médicaments, la mène vie familiale, aller à l'école, à travail, normalement, oui. Crété, Régine, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Moi, mais docteur, oui. Crété, vous avez oublié. Et puis, moi informé en pile sur sujet. Yon moun ki gen jem sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè seks. Se tankou viris la te disparèt nan san. Oh, disparèt nan san même, ça veut dire li pa gen yon encore? Li toujours gen yon. Mais grâce à médicament ARV, quantité viris ki nan san levin tellement petit, test ak examen laboratoire pa même rive détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal 0 transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour connaître sur plan international, football en Amérique du Sud. Le club brésilien Fluminense qui a remporté la première Copa Libertadores de son histoire. Il bat l'équipe d'Argentine de Boca Junior de 2-1 après prolongation en finale samedi au stade Maracana au Rio de Janeiro. Boca Junior sacré à 6 reprises, perdu pour la première fois en finale de cette compétition, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions européenne. Ligue des Champions justement, avec un match à partir de ce mardi groupe E, 4e journée. À 3h PM, Atlético Madrid a recevoir Celtic Glasgow. La même l'heure, Feyenoord Rotterdam qui a déplacé pour rencontrer Lazio Rome. Classement Feyenoord Rotterdam 6 points. Deuxième Atlético Madrid 5 points. Troisième Lazio 4 points. Quatrième Celtic Glasgow 1 point. Le groupe F là, alors midi 45, toujours ce mardi, Borussia Dortmund a accueilli Newcastle. À 3h, Milan AC Paris Saint-Germain. Attention, classement Paris Saint-Germain en tête avec 6 points. Dortmund 4 points, Newcastle 4 points, 4e Milan AC 2 points. Dans le groupe GA, ce mardi 7 novembre, 4e journée, 3 PM, Manchester City a joué avec Young Boys de la Suisse. Et puis la même l'EA, RB Leipzig a déplacé pour rencontrer Étoile Louis Belgrade. Classement, c'est Manchester City 9 points, 2e RB Leipzig 6 points, 3e Young Boys 1 point, 4e Étoile Rouge 1 point. Groupe H, midi 45 ce mardi, Shakhtar Donetsk, FC Barcelone à 3h, FC Porto a accueilli Royal Antwerp de la Belgique. Classement, FC Barcelone en tête avec 9 points. Deuxième, FC Porto 6 points. Troisième, Shakhtar Donetsk 3 points. Quatrième, Royal Antwerp avec 0 points. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité football là, toujours sur le plan international. Rubrique championnat européen, l'Espagne, c'était 12e journée. Weekend qui s'est passé à Las Palmas qui bat Atlético Madrid 2-1. Gagné Girona en déplacement qui bat Osasuna 4-2. Real Betis bat Mallorca 2-0. 1-1 entre Celta Vigo et Séville. Victoire sur le fil de FC Barcelone en déplacement. 1-0 dépend de Real Sociedad. Araujo, 90e minute plus 2 qui marquait pour FC Barcelone. Alaves bat Almeria 1-0. Gagné Valence qui bat Granada 1-0. Athletic Bilbao bat Villarreal 3-2. Et puis Real Madrid tenu en échec à domicile par Rayo Vallecano 0-0. Classement désormais, c'est Girona tel avec 31 points. Deuxième Real Madrid 29 points. Troisième FC Barcelone 27 points. Quatrième Atlético Madrid 25 points. Cinquième Atlético Bilbao avec 21 points. En Angleterre, c'était 11e journée à week-end qui s'est passé. Que Manchester United qui bat Fulham 1-0 sur le fil. Bruno Fernandes 90e minute. Victoire de Brentford 3-2 dépend de West Ham. Gagné Manchester City qui corrigeait Bruno Mouf 6-1, dont un doublé de Bernardo Silva.
Victoire de Sheffield United en dépens de Wolverhampton. Crystal Palace en déplacement bat Burnley 2-0. 1-1 entre Everton et Brighton. Newcastle bat Arsenal 1-0. Nottingham Forest bat Aston Villa 2-0. 1-1 entre Luton Town et Liverpool. Gagné Manchester City 27 points. Tottenham 26 points. Troisième maintenant, c'est Liverpool 24 points. Quatrième Arsenal 24 points. Cinquième Aston Villa 22 points. Huitième Manchester United 18 points. Onzième Chelsea 12 points. Championnat d'Italie, 11e journée, tout résultat, Bologne bat Lazio 1-0, Naples en déplacement bat Salernitana 2-0, Inter Milan en déplacement bat Atalanta 2-1, Udinese en déplacement bat Inace 1-0, gagne équipe Monza qui bat Vérone en déplacement 3-1, Cagliari bat Genoa 2-1, AS Rome bat Lecce 2-1, Juventus bat Fiorentina 1-0, c'est Inter en tête avec 28 points, deuxième Juventus 26 points. 3e Milan AC 22 points, 4e Naples 21 points, 5e Atalanta avec 19 points. En France, c'était 11e journée à toutes les résultats. Paris Saint-Germain grâce à Lee Zaïre Emery avec Vitinha et bat Montpellier 3-0. Lorient lance 0-0 même score entre Marseille et Lille. Gagné Lyon qui fait un arrêt avec Metz. Le Havre en déplacement bat Toulouse 2-1. Reims bat Nantes 1-0. 0-0 entre Strasbourg et Clermont Foot. Il y a Monaco qui bat Brest 2-0, même score entre Nice et Rennes, victoire de Nice. Classement, c'est Nice 25 points en tête, deuxième Paris Saint-Germain 24 points, troisième Monaco 23 points, quatrième Reims 20 points, cinquième Lille avec 19 points, neuvième Marseille 9e avec 13 points. En Allemagne, c'était 10e journée à tout résultat. Beaufort en déplacement bat Darmstadt 2-1, gagne Eintracht Frankfurt qui bat Union Berlin 3-0, 3-3 entre Fribourg et Mönchengladbach. Gagne leader de la Leverkusen qui bat Hoffenheim 3-2. Mayence bat RB Leipzig 2-0, 1-1 entre Cologne et Augsbourg. Et Bayern Munich, grâce à un triplé de Harry Kane et un goal de Upamecano, qui corrige Dortmund 4-0 en déplacement. 2-2 entre Wolfsburg et Werder Bremen. Endenheim qui bat Stuttgart 2-0. Leverkusen toujours leader 28 points. Deuxième Bayern Munich 26 points. Troisième Stuttgart 21 points. Quatrième Dortmund 21 points. Cinquième RB Leipzig avec 20 points. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite au journal d'espoir, amis auditeurs Formule 1, après la pole vendredi, le sprint samedi, le triple champion du monde, le néerlandais Max Verstappen, l'écrasé le Grand Prix du Brésil dimanche, son 17e de la saison, le 52e en carrière. L'anglais Lando Norris et le mexicain Sergio Pérez complétaient le podium. Le français Charles Leclerc lui-même y a abandonné avant même départ. Là, athlétisme, l'éthiopien Tamirat Tola y a emporté dimanche le marathon de New York en 2h04 minutes 56 secondes. Nouveau record de la course américaine. Il finit devant le Kenyan Albert Courir, 2h06 minutes 57 secondes, vainqueur à New York en 2021 et l'éthiopien Chua Kitata complétait le podium 2h07 minutes 11 secondes. La gagnante d'Amios, c'est la Kenyan Hélène Obiri qui remportait la course en 2h27 minutes 23 secondes. Et gagné Lette Sengbert Gide qui deuxième et 2h27 minutes 29 secondes complétait le podium là. La Kenyan Sharon Lokedi 2h27 minutes 33 secondes. Actualité du tennis, le Serbe Novak Djokovic signe dimanche en 7e victoire finale du Rolex Marie Masters. Elle dispose facilement du Bulgare Grigor Dimitrov en 2-7, 6-3, 6-4, numéro 1 mondial là, au 24 titre du Grand Chelem. Lui aussi adjugé son 40e Masters 1000. Basketball NBA pour nous finir, les Celtics de Boston et leur étoile Jason Tatum, 32 points, 11 rebonds. Ils ont enchaîné une 5e victoire de rang à Brooklyn samedi, 124-114. Ils ont demeuré là, la seule équipe invaincu cette saison jusqu'à date. Alors jusqu'à samedi, Tatum est venu donc samedi le plus jeune joueur, 25 ans, de la prestigieuse histoire des Celtics, a marqué plus de 10 000 points en NBA. Et puis Walter Davis, ancienne légende des Suns de Phoenix, est mort jeudi à 69 ans avec l'équipe américaine. Il était médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Davis, semble là, est mort des causes naturelles alors qu'il a pris une visite à sa famille à Charlotte, en Caroline du Nord. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport,
toutes nouvelles sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine la qualité sportive là sur plan national football éliminatoire Gold Cup féminin États-Unis 2024, Grenadier Kitna Louis Amandine de Pierre Louis Melchidal Dumondé Batri Baloui ak Nerilia Molezi figure dans un type fenêtre à mois octobre blanc avec 9 points sur 9 dans Gosea. Haïti a vu dernier match li face à Costa Rica le 30 novembre à San José. Sport et Société clôture des Jeux Panaméricains dimanche à Santiago au Chili. Haïti avec 3 médailles dont un argent de bronze fini 25e. Classement dominé par les États-Unis, le Brésil, le Mexique et le Canada. À l'étranger, tennis, Rolex Paris Masters, victoire finale du numéro 1 mondial de Serge Novak Djokovic. Athlétisme, marathon de New York, le trophée pour l'Éthiopien Tamira Tola et la Kenyane Hélène Obiri. Formule 1, Grand Prix du Brésil, le 17e de la saison pour le Néerlandais Max Verstappen. Football, championnat d'Espagne, 12e journée, Real Madrid tenu en échec par Rayo Vallecano, 0-0, Girona seul leader, après victoire 4-2 sur Osasuna, FC Barcelone bat sur le fil Real Sociedad 1-0. Copa Libertadores de América, le titre pour Fluminense, qui bat Boca Juniors 2-1 en finale samedi. Et puis Ligue des Champions 4e journée ce mardi, Shakhtar Donetsk FC Barcelone à 12h45, menacé Paris Saint-Germain à 3h. C'est sous notre ça que nous mettons un bout dans l'altesse pour les amis auditeurs. Nous déprenons un peu de plaisir de monter à coup comme d'habitude. Merci un peu pour attention. Merci à collaborateur nous, Jules Sandewa, qui est dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon qui a écouté l'émission ça. En podcast, Alter Radio, sur Miss Cloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Écoute mon cœur qui te parle et ma voix qui t'implore. La voix d'un esclave amoureux à tes pieds prosternés. La plainte de cœur qui soupire, une bague pour toi. Un cœur que tu rends malheureux et qui souffre pour toi. En vain, j'ai cherché à calmer mon amère douleur. En vain, j'ai cherché loin de toi une consolation. Partout comme fou, j'ai cherché la triste solitude. Toujours ton image m'obsède et je reviens à toi. Ma brune, entends ma chanson. Ma chanson remplie d'amour et de passion. Tu as le secret de guérir ces affreuses blessures. Étends sur moi ta douce main et fais sécher mes pleurs. Ah la 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 la.
Alter Radio, l'y fait. Iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou nen wè? Ki bo ou mandem? Mem bo wa? Tou pre ou la? Pre ou la? Bo la ria? Nan Delma 32? Delimat! Oui! Nou relouvri! Delimat! Delimat Delma 32 relouvri! An pimpan, pi gwo, pi bel! Ak plis rayon, plis prodwi, plis servis! Delimat apre nese ou pou konfians ou plase nan li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de katan pour vi noue nouveau Delimat yo wa. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis yo te séparé nous brit soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui changé nan nou, nan vi nou, mais gen un seul engagement qui rete intact. C'est respect nous gagnen youn pou lot ak lan moun nou pour pays nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue à ce point d'actualité internationale sur le 106.1. Guerre Israël-Hamas. Près de 10 000 personnes ont été tuées, dont la moitié des enfants, selon le gouvernement du Hamas, dans les bombardements israéliens dévastateurs dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, déclenchée le 7 octobre par une attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, d'une violence et d'une ampleur inédite depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 1400 personnes ont péri en Israël, majoritairement des civils tués ce jour-là par les commandos du Hamas qui ont en outre enlevé et emmené plus de 240 personnes dans la bande de Gaza qu'ils contrôlent d'après les autorités. Israël a juré d'anéantir le Hamas et le premier ministre Benjamin Netanyahu s'est dit opposé à tout pause dans la guerre tant que les otages n'auront pas été libérés. Nous continuerons l'offensive jusqu'à remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre alternative, a dit Netanyahou. Son armée pilonne sans cesse depuis le 7 octobre le petit territoire assiégé où vivent 2,4 millions d'habitants dans une situation humanitaire catastrophique et y mène depuis le 27 octobre des opérations terrestres face à des combattants du Hamas retranchés dans un réseau de tunnels. Des frappes significatives sont maintenant en cours dans la bande de Gaza où l'internet et les lignes téléphoniques ont été coupées peu auparavant et elles se poursuivront cette nuit et dans les jours à venir.